Et oui, ça vous manquait, même pour de petits grigous. Bienvenue sur le nouveau stream de 19h de The Big Game of Ski. Aujourd'hui, on va se streamer du shmup. Mais attention, c'est la révolution. Tout va changer. Et oui, vous allez devoir retourner votre écran, puisque aujourd'hui, nous testons non pas un shmup vertical, mais un shmup horizontal, qui n'est autre que ProGear, un produit des années 2000 par là. C'est ça, 2001. Je suis pas très très doué pour les shmups horizontaux, mais on va quand même regarder ce que ça donne, si ça vaut le coup. Si c'est bien foutu, si c'est jouable, et si ça donne envie de voir jusqu'au bout, on va savoir. Je vais peut-être remonter un peu le son. Ça lui fera pas de mal au PP1. Pour une fois qu'on a un son qui marche à peu près, ce sera peut-être un peu nigaud de passer à côté. Alors, qui es-tu, ProGear? ProGear est donc un simulateur de vieux coucou. Ok. Et ta guerre, tu nous l'as fait quelle sauce? Surprise. Mode démo, Mounette, s'il vous plaît. Donc un animal volant mécanique équipé de deux équipiers qui plus est. Avec une réalisation faite en pseudo 3D, on va dire, c'est la. Ouais, c'est vraiment. C'est de la 2D,1 ça. Hein? C'est comme le 1 dans une installation sur Room 2.1. Voilà, il y a à peu près la même valeur de perspective. Ceci dit, c'est joli. Il y a du gras dans le pixel, donc ça, on voit qu'il y a eu de l'amour. Et forcément, on va insérer des pièces. Alors le pépère, il en bouffe des crédits, hein? Alors je suis ou lui. Oh, vous connaissez ma préférence pour le tir dispersé, enfin que diable. Je suis ready et je veux que ma bombe ce soit. Ah, mon équipier ce soit le méga équipier, d'accord, de la mort qui tue. Donc, grosso merdo, j'ai un tir qui est tout sauf concentré. Par contre, je balaye large et j'ai bien l'intention de m'en servir. Parce que quand on connaît pas un shmup, la meilleure technique au démarrage, c'est de vraiment tout éradiquer. Histoire que personne n'ait l'opportunité de balancer un tir alors que vous n'avez rien demandé, vous venez juste apporter un message tel le facteur. Un message à base de bastos, certes, mais qui ne respire pas moins l'amour. Regardez-moi ça, cette façon de traverser le métal. C'est exceptionnel. Alors j'ai pas essayé mon tir secondaire. Je suis pas passé. Ah, ça y est, j'ai essayé. Petit rigolo. Ok, je vérifie que j'ai pas un autre tir alternatif, on sait jamais. Alors, le pépère joue l'encombrement à l'écran, une fois de plus. On voit l'école. Genre, je t'en mets plein les yeux. Comme ça, tu as pas le temps de t'ennuyer, c'est pratique. Et tu vas bien finir par t'en manger une de mes boulettes. Oh là là, quelle orgie! C'est très chouette, c'est très très chouette. Mais bon, on va essayer d'avancer dedans parce que pour l'instant, merde, je me jette sous les boulettes, c'est dramatique. Pour l'instant, on est au premier tableau. Donc, si les choses se passent bien, c'est un petit peu pour vous donner envie de remettre la main au portefeuille un peu plus loin. Et il est possible que ça se corse bien avant le fameux, je vous entends le dire, allez dites-le, le fameux troisième tableau, qui en général est celui où le soft révèle sa nature, c'est-à-dire s'il va vous goinfrer vos pièces à une cadence frénétique, ou si au contraire il est étudié quand même pour procurer un minimum de fun. Ouais, tu vas te calmer, toi. C'était gentil, mais non, non, et non, et Renaud. C'est quoi cette façon de cracher comme ça là? Le salaud! Et oui, il faut savoir que je vais un petit poil moins vite que les tirs. Donc si je prends trop de d'aisance dans mes déplacements, je vais m'en trouver dans la merde. Bon, ceci dit, le jeu d'emblée, il est sélectionné hein, parce que c'est très chouette et je vous garantis, vous l'essayerez, c'est vraiment super maniable.
trouve que ça serait être vraiment méchant de dire « Oh, ce jeu, il ressemble trop à… » Oui, bah, il ressemble à d'autres, forcément. Mais il a son charme, quoi. Il a son identité, il a sa façon de bosser, ses matrices de boulettes un peu grasses là, qui sont en train de me faire la misère. On peut dire ce qui est. Parce que j'en chie un petit peu pour parler en même temps, je dois vous avouer. Ça ne le fait pas très très souvent, mais en général, quand il y a un gros encombrement de boulettes à l'écran, tout d'un coup, les commentaires sont beaucoup moins nombreux, hein, vous avez remarqué. Ça s'arrête un jour? Non, ça ne s'arrête jamais. Ok, bah, je passe. C'est con, c'était le dernier, il va me pourrir le tableau, lui. Connard extrême de la SNCF, putain! Je suis désolé pour les gens qui travaillent, c'était sorti tout seul. On a tellement l'habitude de taper sur cette boîte que, même dans un jeu vidéo, vous voyez, hop, ça vient. Tout de suite, on pense à eux, et qu'il y a un truc qui est bien pénible. C'est peut-être aussi le fait que ils font partie de la rare population qui se permet de prendre en otage des gens qui ne peuvent généralement absolument rien directement pour leurs problèmes. C'est une autre histoire. Je passe les gars. Non, je suis pas en retard, c'est qui est 12. Comment ça, le wagon est plein? Je vais voyager debout. Non, non. Voilà, je me suicide. Normal. Là. Bon, revenons à notre chemin. Alors. Oui, j'ai eu mon passage où je me remettais à dire n'importe quoi parce que j'en chiais à passer dans ces nuées de boulettes. Je dois avouer que je trouve quand même assez chargé le PPR. Hein. Alors heureusement, vous avez remarqué, les boulettes se cancellent si je dégomme l'ennemi. Mais il y en a certains qui apparemment encaissent pas mal dans le buffet. Bah. Ah, voilà Madame Tortue mécanique. Non, c'est une baleine, Ouais, baleine. Qui va me chier des boulettes dans la figure, je sens. C'est parti. Là, c'est les présentations. Bonjour. Oh non. Non, je veux pas. Je veux pas. Oh, l'enflure. Vas-y, à fond, là, parce que je suis un peu tendu. On m'a un peu mis la pression. Moi, j'aurais tendance à le foutre dans le top, ce truc, hein, parce que, franchement, les patterns, là, ils sont juste hallucinants. Il y a des moments, je me demande un petit peu comment je passe. Aïe, 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 mais c'est pas fini, ok, non, mais c'est pas grave. Mais sinon, on se met en pause, je repasse dimanche. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai pas l'air d'accord. Monsieur, ça me dit mieux. Ya. Et oui, j'ai doublé dans South Park déjà. Ya. Oh, ça passait. Quoi? À 2 pixels près, ça passait, sérieux. À moi les bonnes muses par million. Je me demande si on va pas se le faire mentir parce qu'il y a quand même une certaine démesure, hein, vous voyez comme moi, dans la quantité de boulettes qu'on se prend dans la gueule. Je vais ressortir mon expression. On se prend réellement des bicaquets de boulettes. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Hein. On va appeler un chat et ouais, une douche de boulettes, c'est une douche de boulettes. Alors oui, j'aurais pu utiliser le terme douche. Mais j'ai du respect pour nos amis anglais qui pourraient, en ne traduisant pas correctement le mot, se retrouver avec douche, bagage, douche. Et donc, il y aurait méprise totale. Donc je préfère Bukake, qui est clairement clair sur ce qu'il décrit. Et les petits gars, on va se calmer là. Il y a une vivacité aussi dans les tirs. Alors du coup, apparemment, le plus intéressant à flinguer, c'est les gros en priorité, quoi, parce qu'ils vous foutent un merdier sur l'écran. Je sais pas si vous voyez, enfin, je pense que vous voyez un peu. Mais j'ai une extrême difficulté à me frayer un chemin une fois qu'ils sont deux à tirer en même temps, parce que les gars, ils y vont, quoi. Ils ont de la ressource, puis ils le font savoir. Ils font « Attends, je t'aime bien, toi !» Et vous faites « Non, je ne veux pas !»« Ma mère m'a dit non !» Nick. Et donc, une méga bombe vous offre un petit instant de répit, mais c'est désespérant. Non.
Too much, too much. Ce sera l'argument pour ce jeu. Enfin, contre ce jeu, j'en sais rien. Non. Ça passait, ça se tentait, ça se tentait. Dites-moi pas que vous ne l'auriez pas fait. Alors, reprenons. Oh putain. Alors, reprendre aussi, c'est un peu tendu quand même. Ça me met en kit. Oh là 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 là. Porcherie. Allez, les Bérus sont avec moi. Les Bérus sont avec moi, on y croit. Où il va? Où il sort? Qu'est-ce qu'il me fait? Lui, quand ça va partir, ça va pas être drôle, je sens. Ah, je l'avais plus dit. Si. J'aurais dû la garder. J'aurais dû la garder, ma bombe. Je savais qu'il fallait la garder. Secours. Nine. Ça va aller, ça va aller. Ça maîtrise. Oh ben, ça maîtrise plus. Oh putain. J'ai mal, j'ai mal. J'ai très mal, j'ai très mal. J'en ai cassé qu'un petit morceau. Monsieur, monsieur, meurs. Donne-moi un bonus bombe. Lui, il va tirer très vite, très méchamment. Oh, oh non, 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 non. Est-ce que je deviendrai bon avec le temps? Alors, j'en sais rien. C'est juste que j'ai de la volonté. Ma volonté s'améliore. J'ai dû gagner des points. Putain, je veux une bombe. Donnez-moi une bombe. Ils m'ont mis plein la gueule, j'en peux plus. J'arrive. Deux secondes. Vas-y. Mets ta purée. Ça se passe. C'est après, j'ai des doutes. Là, j'ai des doutes, tu vois. Allez, tu veux la manche, celle-là, elle est pour toi. Et tu meurs. Meurs. Non, mais meurs, fais pas semblant. Là, il fait semblant. Il simule. Oh, le con. Putain de con de mime. Oh non, mais il est pas croyable, ce pattern. Oui, ben, c'est bien que tu sois mort, parce que là... Oh là là. Ah ouais, non, mais ça, c'est... La photo commence à être réaliste sur le côté, hein. C'est moi en train de pleurer. Tu... Ah, on fait du vertical. Il nous l'a fait schlub vertical, maintenant. Alors, je crois que ce jeu, j'en ai testé un équivalent, il me semble. Parce que je crois que je vous ai enregistré déjà un stream dans le genre. Et je sais pas si j'avais pris le même pied. Mais il y a vraiment de quoi. Je suis coincé là. Et oui, je ne connais pas le tableau, je ne connais pas le jeu, monsieur. Que de tension, mais dites donc, il y a boulette à foison. Hop, on arrête tout là. Eh non, mais ça suffit là. Il y a un moment, je dis stop. Alors c'est ça, t'as raison. Vous devez entendre le pad, ça doit être assez rigolo, je pense. Hein. J'espère que vous l'entendez pas trop fort, parce que je le pianote, mais avec une tendresse infinie, et non-stop surtout. C'est un peu comme ce que je reçois dans la gueule, c'est-à-dire j'essaye de renvoyer la même chose, en me disant ça passe. Il y a des moments, ça ne peut pas passer. Mais quelle saloperie ambulante ce truc! Je veux descendre! J'en ai marre de monter, je veux descendre! Faites quelque chose pour moi les gars! Sérieux, aidez-moi, je suis dans l'enfer des boulettes! Il n'y a pas d'autre nom! Vous voyez d'où vient le nom, enfer des boulettes dans ces jeux-là? Bah voilà. Voilà. C'est à cause d'un jeu comme ça qu'on a inventé ce nom. Eh oui! Il n'y aurait jamais eu ce problème s'il n'avait pas existé. Mais s'il n'avait pas existé, vous n'auriez pas rigolé comme ça. Et moi non plus d'ailleurs. Non, ça passe pas là. Ça ne passe pas, monsieur. N'essaye pas. Pas. C'est oui, pas par là. Hein. Je vais être fâché là. Je vais être très fâché. Ça y est, je suis fâché. Je suis colère, je suis courroux, je suis... Oh, des yeux qui ont mal. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de me frotter les yeux avec une spontex. C'est grosso merdo la sensation que j'ai, vu la quantité de boulettes qu'il faut gérer. Essayez chez vous, hein. Vous prenez une spontex et vous vous frottez les yeux avec. Sur le côté qui gratte, hein, c'est important. Vous verrez, ça fait un peu le même effet. Hein. Mais là, vous faites... Qu'est-ce qui se passe? En général, on dit d'une voix un peu penaude, avec la narmiche à l'œil, ça pique.
C'est exactement ce qui est en train de se passer. Oula, oula. Hé, on peut être amis. Rappelle-toi, remember. Scoot, scoot toujours, allez. Hop, hop, hop. On y croit. Eh, tu vas pas passer sous moi. Non, bah, on se connaît pas. On se connaît pas. Doucement. Il est passé dans moi, carrément. Là, on vient d'assister au premier viol, je me pesque. Oui, bah, je peux pas tirer derrière, monsieur. Donc, c'est un peu facile, hein, c'est là. Moi aussi, je peux faire ça. Mais casse-toi de l'autre côté. Je gère. Je gère. Non, je ne m'ombrerai pas, pas tout de suite. Je sens qu'il a encore un truc en réserve, je sais pas quoi, mais ça va être mauvais. Un rayon là. Zer. Oh, je veux pas le rencontrer, ce pattern. Je veux même pas connaître son nom. Meurs, 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 meurs. Non, je t'ai pas laissé le temps de tirer ton truc là parce que ça sentait déjà très, très, très pas bon. Très, très, très. Ah, j'ai mal. Oh, putain! Je veux descendre! Exaucé. Un petit dernier pour la route, allez, hop! Bien parce que c'est toi, hein, gourmand. Là. Tu veux bien mourir, s'il te plaît? Allez. Non, 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 non. Non, mais non, mais non. Oh non, celui-là, il n'existe pas, ton pattern. Attends, mais meurs! Mais... Bordel! D'un côté, j'espère que c'est le dernier boss. De l'autre, non. Parce que s'il y en a encore un après, j'ose même pas imaginer la fessée que ça va être. On se le continue, hein, les amis, hein, s'il y a encore un tableau. Moi, je suis en mode excitation, là, total. Donc, je vais pas m'arrêter. Il se passe déjà des choses sur cet écran que je ne peux pas expliquer souvent. Ça suffit, là, ça suffit, ça suffit! Il y a un moment pour être drôle, il y a un moment pour être fonctionnel. Trop long. Trop long! J'aurais dû dire le mot en entier, je serais passé. C'est immonde. On n'a pas le droit de faire ça à un être humain. Non! Je veux pas mourir tous. C'est pas que je vous déteste, mais vous faites mal. Vous faites très mal. Regarde-moi ça. Non, mais au sérieux. Oui, je continue. Bon, bah, tu es dans le top, mon cher Frogger, hein, parce que je m'étais rarement fait démonter la gueule comme ça. Hein. Et il faut appeler un chat, et là, il est en train de me mettre une fessée. Hein. C'est une vraie fessée authentique. Même les petits trucs anodins tirent quand même des flopées de boulettes hallucinants. Merci, c'est gentil de me laisser bosser des fois. Non, 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 je me rends. Attends, je peux pas, j'ai un truc qui monte dedans là. Non, de la monnaie! Pourquoi faire? On continue le jeu! Il est trop bien! On y va, tu vas rater le bus! Oui, bah. Ah, ça, là, c'est clair, tu rates le bus. Hein. Tu rates le bus et en plus, t'as cramé l'argent de poche du moins. Oh non, 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 mais c'est quoi? C'est pas terne croisée de. Connard! Faut que je le dise, ça, faut que ça sorte. Si ça ne sort pas, je risque de me prendre une boulette. Donc, pardonnez le langage qui a des moments où on va être quand même bien 18 plus. Hein, et. Là, je suis en train de me faire déchirer. Mais je me bats quand même. Je me bats. J'ai de la volonté. Mais il faut utiliser quand même le terme approprié. Si on a un qui gagne, pour l'instant, c'est lui. Pas moi.
Regardez la quantité de pièces que j'ai insérées depuis le début du stream. On doit en être à, je sais pas, 10 balles, 20 balles. Incroyable ce truc. Au secours, j'arrive, j'ai plus de bombes. S'il me reste une bombiche et les yeux pour pleurer devant Léopold, le Léo. Viens à toi, Paul Perlbois. Je ne le ferai pas. Non, pas le Léo. Ah, le Léo ne va pas dans la forêt. Ah bah si. J'aurais pas dû me mettre là. J'aurais pas dû me mettre là. Je regrette. Je veux changer de place. Je veux changer. J'ai un truc qui me rentre dedans encore. Ça va pas du tout. Aïe. Je voulais pas être là. De toute façon, je voulais pas être dans ce jeu. Il fait trop mal. Oh, les baffes qu'il met. Non, 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 non. Non. Et je n'entends pas beaucoup la musique. Hein, parce que je joue sans casque audio. Vu que ça me saoule quand même d'être enfermé. M'enferme les oreilles. Et du coup, j'ai pas la musique. Et il faudra que je regarde le stream pour savoir ce qu'elle vaut. Faut. Fallait qu'à un moment ça se passe pas très bien. Bon allez bombasse, y'en a marre. Et oui, je suis pas là pour jouer en fait. Et non. C'est un stream sérieux là, on fait une analyse en profondeur de ce chemin qui est en train de me mettre une déculottée absolument extraordinaire dans une flopée de boulettes qu'on a rarement vue d'ailleurs. Moi je suis subjugué quoi, par le vice et la perversion de ces patterns qu'on sait pourquoi on ne les a jamais vus ailleurs parce que c'est trop violent. Alors dégage. Mais crève, 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 crève. Et tiens, crève encore. Mais il n'est pas mort. Putain, non, ça ne s'arrête jamais. Bon, si lui n'est pas mort, dans l'esprit et la grande logique qui nous suit, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va mourir. Ah, j'avais donné un indice. Hein. Tu vas te calmer, mais tu vas te calmer. Mais sérieux, c'est quoi ça? Où t'as acheté tes patterns? Tu arrêtes, tu arrêtes. Merde! Ah, fallait que ça sorte. Au moment où je tirais ma bombe. Quelle horreur. Ça va être la misère dans H, moins 3, 2, 1, au revoir. Non mais, il est horrible ce boss, il est juste horrible. Ça a été fait par un père ultime. Même à coup de bombasse, il résiste en plus, c'est ça le pire. Peut-être qu'il faut que je lui dise pardon, tout simplement. Pardon, monsieur, je voulais pas. Sérieux. Allez, on reste copains. Allez, sans deck. Ouais, non, c'est pour rire, j'ai gagné. Allez, dégage. En plus, je suis mauvais perdant. C'est génial. Donc, je pleure toujours. J'ai pris ma race, comme on dit communément. Mais j'ai terminé ce damné jeu. Qui est... assez général dans le genre, donc je vous recommande vraiment de le mettre dans votre top parce qu'on n'a pas tant que ça de scrollers horizontaux qui sont assez sympatoches. Progear, chopez-le vite, vivement qu'on sorte des remasters de ce petit chef-d'œuvre parce que ça mérite vraiment de prolonger sa vie au fil du temps puisque c'est un gameplay qui est incroyable. Pour ce qui nous concerne, je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau stream. Avec quoi? Des boulettes? Peut-être. Mais aussi peut-être un nouveau jeu. Et oui, on ne sait jamais. Je vous laisse admirer les artworks et puis... on se retrouve bientôt. Ciao.